Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les résistants, David Landi, relancent-ils l'idée même de la désobéissance civile? Vous savez que David Landi, c'est un grand résistant sur la place de Paris, originaire du département du Pôle. Et il a écrit ceci. Chers compatriotes, la dictature n'est forte que de notre faiblesse à nous opposer à des situations comme celle des hôpitaux insalubres, des écoles surpeuplées, des citoyens dans une pénurie total dans tous les domaines. Pourtant, des solutions existent. Quand on arrive dans une situation où tous les droits fondamentaux sont menacés ou bafoués, et surtout quand on n'a plus rien à perdre, la désobéissance civile, ville morte, refus de payer les taxes, etc. est la solution pour contourner la répression brutale de Sassou. Ces forces de répression ne feront pas le tour des parcelles pour aller vous chercher. Elles n'iront pas non plus chez vous pour aller chercher l'argent des taxes. Sassou ne s'est préparé que pour la violence. Il a dépensé des fortunes, plus que le budget du pays pour cela. Alors, l'espérance d'un coup d'État par la violence et les manifestations des rues ne peuvent pas être la solution. Suivant les mots d'ordre de désobéissance civile, pour montrer à Sassou notre force qui ne peut combattre avec ses armes. Qu'avons-nous à perdre? Le pouvoir d'achat? Les salaires ne sont pas payés. Les services de santé? Les hôpitaux sont insalubres. On en ressort plus malade que l'on n'y est entré. L'éducation, les universités ne forment plus que des chômeurs. La voirie, des ponts entiers de la voie publique s'effondrent. L'électricité ou l'eau, des services intermittents et mortifères. Alors, qu'attendons-nous? Qu'allons-nous? Qu'avons-nous à perdre? David Landi. Bon, bravo, il a relancé le débat. Pourquoi d'abord? Parce que être citoyen, c'est d'abord être informé. Donc, il a été informé de la situation du pays. Être citoyen, c'est aussi être critique de manière objective. Et ce qu'il vient de faire, David Landi. Être citoyen, c'est ensuite être solidaire, donc faire des propositions, des solutions, hein, trouver des solutions à des problèmes qui parfois sont complexes, et ce qu'il vient de faire. Être citoyen, c'est enfin agir, même pour les causes perdues ou perdues d'avance. Mais dans la vie, rien n'est perdu, même d'avance. En effet, au moment où l'on croit que tout est perdu, ou même d'avance, et c'est là qu'arrive parfois la surprise, ou le plus souvent la surprise, et d'où l'intérêt de se battre. Mesdames, Messieurs, donc, David Landi vient de faire ses propositions que je l'ai envoyées. Je lui ai dit non, mais je veux faire cet article sur votre proposition. Il en était ravi. Et bon, j'attends vos propositions par rapport à celles de complémentaire ou en complémentarité avec ce que David Landi
vient de faire. Parce que être citoyen, c'est ça. Donc, vous êtes citoyen, restez dans le même sens. Donc, faites vos propositions. Bon, pour ma part, bon, je pense que la désobéissance civile est difficile à mettre en place au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso, le dictateur Sassou Nguesso, a volontairement, dans sa stratégie de domination, a volontairement détruit le tissu politique. Vous voyez que toute la classe politique congolaise est désorganisée complètement. Il a détruit le tissu social, ça, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de normes sociales, ni de normes morales dans la société congolaise. Tout est catastrophique. Je ne vais pas rentrer en détail parce que ça fait honte. Bon, donc, certaines choses qu'on ne peut pas dire si aux yeux de l'opinion internationale. On ne va pas vendre le pays malgré la situation. Donc, les situs sociaux qu'on laissait est catastrophique. Le tissu économique, n'en parlons plus. Et le tissu culturel avec l'histoire des faux sages et faux caniers et compagnie. Vous connaissez ça. Bon, donc, ça, ça fait partie des stratégies de domination du dictateur. Parmi ces stratégies de domination du peuple par le dictateur Sassou Nguesso, figure celle de dégradation, à savoir, 1. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Eh bien oui, parce que l'ignorance est la pire des souffrances, ça c'est sûr et certain. 2. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Vous savez qu'au Congo, plus vous êtes bête, vous êtes mauvais, vous êtes stupide, vous êtes médiocre, plus vous élevez au rang social. Parce que l'intelligence est suspecte dans ce régime-là. Il ne faut pas être intelligent dans ce régime. Sauf si c'est pour les servir. Simplement pour les servir. Pas servir le pays. Pour les servir, monsieur le dictateur. Les intelligents qui peuvent le servir pour qu'ils se maintiennent coûte à coûte au pouvoir, là ça marche. Mais pour le pays, ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas sa philosophie. La philosophie, il faut que le peuple congolais, le Congo soit bas pour qu'il prospère et son régime aussi. Donc, encourager le public à se complaire dans la médiocrité, ça c'est connu. Bon, troisièmement, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Vous savez que le dictateur empêche le Congolais, l'individu, la manière de penser et de réfléchir et compagnie. Et ainsi, anéantir s'adhère à la pensée unique du dictateur. Et c'est la situation. Mais c'est très bien étudié. Hein? Il y a des stratégies, il y a des intelligences, il y a même la matière pour ça. Pour que vous soyez bas. Mesdames, messieurs, oui. Bon. Mais si anéantir, qu'est-ce que font les Congolais aujourd'hui? Vous allez demander la désobéissance civile. Au moment où les Congolais ne savent que ça donnait qu'à des occupations médiocres. Et ces mêmes occupations médiocres sont encouragées par le dictateur lui-même et tout le régime. Bon, je peux vous citer quelques exemples des occupations médiocres où les Congolais, quand ils servaient le matin, ils pensent qu'à ça le matin, midi, après-midi et soir. Chaque jour, ils pensent qu'à ça. Bon, d'abord, déjà les conditions sociales catastrophiques. Donc, les gens meurent comme des mouches. Hein, les morgues sont pleines à craquer des cadavres de tout âge, dû déjà au problème de la condition sociale, oui, l'accès à l'eau potable, à la nourriture et aux soins et compagnie. Donc les gens meurent comme des mouches. Bon, donc qu'est-ce qui se passe? Donc les gens se retrouvent dans des occupations médiocres, qui sont les veillées mortuaires. Hein, donc les gens passent toute la nuit, et restent la nuit. C'est qui ça? C'est dans toutes les grandes villes du pays. Même juste parfois à l'étranger. N'oublions pas le problème des aiguilles du réveil qui sont devenues des auxiliaires du régime, qui sont là pour abrutir encore le mental des Congolais. N'oublions pas les débits d'alcool. Il n'y a plus de débits d'alcool que des lieux de réflexion autres. Il n'y a que ça. L'alcool, elle coule à flot. Elle est moins chère que l'eau potable. Donc, c'est volontairement étudié. N'oublions pas la sorcellerie. Au terme de rituels sataniques, de sacrifices humains et compagnie. Trop, c'est trop. Bon. Dans cette situation, cette situation, bien sûr, entraîne des problèmes d'accoutumance et de dépendance psychique. Donc, les Congolais ne pensent plus à leurs conditions sociales. Non, ce n'est pas possible. Parce que, au vu de la situation sociale, où on voit les gens sont dans la merde totale,
Ailleurs dans le monde, on sera dans la rue. Sassou n'a jamais été aussi faible. Mais pourquoi les gens ne se mobilisent pas? Mais parce que tout est étudié avec ces stratégies. C'est dans la conscience ou les consciences, le subconscient des uns et des autres. N'oublions pas que nous ne sommes pas d'abord un peuple. Nous sommes une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. Mais si un leader d'opinion ou autre a immobilisé une partie de la population ou pas, mais ou d'autres, il s'est dit qu'il faut mobiliser, pourquoi et pour. Donc, ça, l'art de diviser pour régner. Donc, on est en méfiance et en défiance totale. Donc, les gens ne peuvent pas aller parce que déjà, il n'y a pas, comment on appelle dit, une autorité morale ou politique et crédible qui est aujourd'hui sur la place de Brazzaville qui peut mettre les gens dans la rue. Ou même appeler tout le monde à des obligations civiles. Mais ce qui est aussi difficile, parce que déjà les réseaux de communication, il n'y a pas. Internet, mobile, tout ça est surveillé, la censure est totale, on ne peut pas mobiliser, comment on peut faire les tracts et autres. Donc, déjà la mobilité est difficile dans tous les quartiers, donc on ne peut pas se communiquer. Donc, tout est organisé. Donc, la désobéissance civile, si on pouvait en arriver là, ce serait déjà qu'il faut avoir une volonté d'abord civile. Hein. Donc il faut que les gens sachent que bon, ben, on peut s'affranchir déjà ces leaders politiques qui sont en liberté surveillée par le régime, ça c'est sûr. Donc si on ne s'affranchit pas ces messieurs point-point qui ont tout bloqué sur la ville de Brazzaville, non, la désobéissance ne peut pas se faire sur l'ensemble du territoire national, ça n'a aucun effet. C'est Brazzaville et Pointe-Noire, simultanément. Mais il faut que ça soit un effet de surprise. Et ça commence. Mais comment organiser? Il y a toute une préparation. Il faut suturer, il faut organiser, il faut manager et autres. Mais nous, au niveau cognition, la cognition, elle est très très basse. Bon, oui, c'est faut le dire. Parce que la situation que nous vivions, elle est comparable dans tous les bassins du Congo. Hein. Il y a une baisse de cognitive énorme dans toutes les bandes du Gabon, Congo, des Congo, Cameroun, partout. Donc, c'est pas possible. Donc, nous, on voit la situation. Donc, il y a un problème anthropologique qu'il faut voir dans notre écosystème bantou, parce qu'on ne peut pas arriver à s'affranchir des marques de ce dictateur qui a été placé là. Donc, la solution pour moi, elle est seulement trouver des réseaux, hein, comme on voit les réseaux de résistance. J'ai fait plusieurs vidéos, mais comme ils sont parallèles, les gens seraient là-bas, donc ça franchit déjà ceux qui sont soi-disant ministres, autres qui sont là, soi-disant opposants, autres, mais qui sont, certains sont tenus en liberté surveillée, autres. Il faut s'affranchir d'eux. On compte tout de même sur eux, quand même, pour une certaine marge, mais les jeunes doivent prendre les responsabilités, organiser, c'est sur tous les quartiers sensibles, du premier arrondissement sur 9e, et pour que les gens restent soit chez eux, ou mettre les gens de l'oreille avec les stratégies qu'on a vues sur la libération de Paris. On met des pneus, des cocktails. Voilà, on peut faire ça. Mais il y a beaucoup de techniques à faire. Mais on peut pas, je ne peux pas vous livrer ça sur la télé parce que c'est des stratégies. Mais si on avait des réseaux sur place, on peut mettre ça sur place. Parce que ceux qui sont en liberté surveillée, eux autres, mais ils ont des gens qui viennent les voir. Ils peuvent créer des réseaux, des agents, des gens de l'ombre, des réseaux. Mais c'est pas possible. Donc les gens sont là pour faire croiser la barre, attendre et l'éducateur continue. Donc, si nous n'arrivons pas à nous entendre sur un projet commun, l'union sacrée face à la situation, comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? C'est ça le problème. J'ai dit que c'est une poignée annoncée, il faut le dire. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Nous avons un projet commun. Chacun peut faire jouer solo, la guerre des ogos, les intérêts particuliers partisans, les conflits d'intérêts. N'oublions pas les agendas cachés des uns et des autres. Mais quoi que ça soit parti, on va aller facilement comme ça. C'est pas possible. Ça pourra pas se faire. Parce que il faut être vraiment. Il faut vraiment être. Ne connaissons pas les relations humaines ou même le pays pour ne pas comprendre ça. L'Issouba a été trahi à cause de ça. Hein. Donc il faut voir vraiment. Il faut aller dans l'union parce qu'on a besoin des gens qui ont des principes, des convictions, une crédibilité historique. Aujourd'hui, on est dans une situation difficile pour eux. On veut avoir des gens qui ont des convictions historiques, qui peuvent rentrer, monter comme un grand personnage, prendre les risques et organiser tous ces réseaux dans l'ombre et soit mettre les gens dans la rue. Et voilà, moi, je pense que moi, la solution, elle n'est pas désobéissance civile, mais je pense que la solution, comme j'ai préparé, je pense que la solution est militaro-insurrectionnelle populaire. C'est-à-dire la population plus l'armée, ensemble. Parce que même si cette armée est clanique, elle s'est transformée en une armée clanique, avec les mercenaires qui sont là habillés dans les tenues du Congo, militaires du Congo, mais c'est des mercenaires.
On ne s'est jamais vu. Et donc, ces gens qui sont aujourd'hui au commandement de l'armée, ils auront demain des responsabilités. Hein? Donc, ils vont assumer les responsabilités parce qu'on ne peut pas transformer une armée en une armée clinique, clanique, et aussi aux mains des étrangers. Ce n'est pas possible. Donc, on est sous occupation. Mesdames, Messieurs, oui, la solution est militaro-insurrectionnelle, mais comment? D'abord, il faut continuer les réseaux de lobbying qui sont là, c'est-à-dire, ça ne doit pas avoir de pécule. Donc, aujourd'hui, bon, il a zappé déjà l'administration, donc, et l'économie. Les gens ne touchent plus les salaires, que ce soit les fonctionnaires, les bourses des étudiants, les retraités et tout le monde, il n'y a plus rien. Il ne touche plus rien. Il ne voit plus grand toucher quelque chose. Mais, ça semble que ce soit ses priorités. Donc, il a orienté son pécule vers, soi-disant, sa sécurité et surtout ses réseaux de lobbying. Et n'oublions pas ses forces de nuisance. Donc, la police, son armée et les mercenaires. Donc, tout ça. Donc, il a de l'argent là pour là. Donc, il faut continuer le combat dans le sens de que ce n'est pas de l'argent. La situation va se dégrader complètement. Mais le problème des responsabilités des militaires, c'est que vous allez laisser le pays se dégrader complètement alors que vous aurez pu prendre les responsabilités maintenant. Parce que le pays là est et sera irrécupérable pendant encore des années. On va se trouver dans des situations compliquées. Donc, d'où l'enjeu de prendre vos responsabilités et accompagner le peuple, une insurrection accompagnée du peuple. Nous sommes un petit pays, on ne sait pas. Oui, on peut prendre les responsabilités. Chacun peut prendre les responsabilités au niveau militaire et civil ensemble pour qu'on mette les gens dans la rue à Brazzaville et à Pointe-Noire, ville stratégique. Bon, donc, à ce moment-là, on va les chercher à Rio là-bas pour les traiter dignement parce que lui, il nous a traités indignement. Mais moi, pour ma part, il faut les traiter dignement dans le monde que vous étiez les barbares, nous sommes les civilisés. Donc, mesdames, messieurs, donc, la solution est là parce qu'elle est militairement. Insurrectionnel. Mais il faut que l'armée soit déjà commence déjà à aller et pousse le peuple à aller. Allez ensemble, parlons ensemble, on vous accompagne. Mais aller comme ça, tout seul, sans l'armée, ce n'est pas possible. Donc il faut aller qu'on voit que la situation est difficile parce que ces militaires qui sont là, ils touchent leur pécule, leur argent, mais c'est pas bien. Parce que de toute façon, ils vont repartir à la maison, chez eux, dans leur foyer, et ils vont trouver qu'ils n'ont pas d'eau potable, pas d'énergie. Pas de soins, difficilement, ils mangent difficilement, et les gens meurent comme des mouches, et la famille meurt comme ça. Et donc, dans leur conscience, ils vont dire, ah non, il y a un moment, il faut prendre des responsabilités. Donc, regroupez-vous, structurez-vous au niveau militaire, et avec la petite société civile et autres, mais le côté civil n'attend que l'armée. Dès que l'armée prend ses responsabilités, le peuple va accompagner, et en campagne, on va au palais, parce qu'on sera accompagné avec l'armée. Donc, la solution est là. Donc, ça ne dépend pas de l'extérieur, parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, souvent la vie prend fin. Mais quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc, les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Donc, nous devons aller dans ce sens-là, hein, accompagner par exemple les actes de sabotage, comme on voit dans certaines pour les chemins de fer, que ce soit pour les routes de Pointe-Noire à Brazzaville, là où arrivent des camions, c'est ça, c'est là l'esprit. Et aussi, surtout, intégrer, infiltrer l'armée. Hein. Il faut rentrer dans l'armée et responsabiliser les uns les autres pour avoir ces dignes fils patriotes de l'armée qui peuvent prendre les responsabilités et accompagner le peuple dans une insurrection nationale. Mais en ce qui concerne Sassou Nguesso, tant qu'on parlera de Sassou Nguesso et son régime et ses clans, le pays ne marchera pas. Si c'est là, on va aller directement, on va s'enfoncer. Retenez bien que tant que ça se maintenant, il est là, avec les réseaux globaux, avec tout ce qui est fait et ce qui se passe. Ça ne marchera plus, puisque déjà au niveau du pays, les gens ne travaillent plus. Donc les gens attendent et autres. On ne peut pas motiver les gens, ils ne sont plus confiants. La tête est pourrie, tout est pourri, c'est le régime, on ne veut plus, on ne veut plus. Donc on peut tout faire pour chercher, il n'y a rien, il ne peut plus. Donc c'est un des trucs, non? On s'enfonce hein, complètement. Hein. C'est comme dans les sables mouvants. Plus on parle de ça, plus ils s'enfoncent eux-mêmes et le peuple aussi. Donc nous devons chercher la solution de sortie, c'est-à-dire mettre les réseaux au niveau militaire et insurrectionnel, c'est-à-dire l'armée et le civil. Oui. Donc responsabilité civile et militaire. Les politiques ne comptent plus. Ils ont tous échoué. Oui. Parce que quelqu'un qui échoue plusieurs fois, il ne faut pas compter. Non, c'est fini. Compte sur la société civile, c'est-à-dire le peuple, et l'armée. Et parce qu'on compte tout de même sur cette armée, parce que c'est l'armée du peuple, même s'il a été clanitisé, hein, mis aux mains des mercenaires, mais
on peut encore compter sur cette armée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et bon vent au peuple congolais et à bientôt. Restez toujours citoyens et donnez vos critiques et c'est bon comme ça pour avancer le pays Congo. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et merci pour David Landi. Seigneur de Lyon.